dirait que notre signal n'est pas passé inaperçu. Maintenant que vous êtes de retour, je vais enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Gosetsu, vous êtes là? Erasho et Tansui aussi? Je suis tellement contente de vous revoir. Je vous avais dit que la torture ne me faisait pas peur. J'en ai vu d'autres à mon âge. J'ai la nette impression que l'armée impériale vient tout juste de quitter le village. Que s'est-il passé exactement? Les Garlemaldais ont résisté autant qu'ils le pouvaient. Et quand ils ont réalisé que les Kojin ne viendraient pas leur prêter main forte, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Nous avons pu reprendre le village sans trop de dégâts. Hélas, cette harpie de Yutsuyu a réussi à nous filer entre les doigts. Ce garde du corps n'est peut-être pas très futé, mais il se bat comme un diable. En tout cas, tout s'est passé comme vous le vouliez. Les impériaux sont convaincus que nous les avons attaqués en représailles de ce qu'ils nous ont fait. Ils pensent pas que nous sommes de mèche avec la rébellion de Mien. Vous feriez mieux de continuer votre route dès que vous serez prêt. Nous essaierons d'attirer l'attention de nos ennemis afin de vous laisser le champ libre. C'est plutôt nous qui devrions vous souhaiter bonne chance. Votre avenir tout entier dépend de votre succès, Adoma. Nous sommes des alliés désormais, et nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup pour votre coopération. Nous ferons tout notre possible afin que nos actions ne mettent pas votre groupe en danger. C'est à nous de vous remercier, ma mignonne. Mais mieux vaut garder les politesses pour plus tard. En tout cas, prenez bien soin de vous. J'ai hâte d'apprendre que votre combat aura été couronné de succès. Au fait, où comptez-vous aller désormais? Si vous voulez libérer Doma, je ne vois que la plaine de Yansha. Tu as bien deviné, mon brave. J'ai des amis qui se feront un plaisir de nous y accueillir. Une fois que nous les aurons rejoints, nous réfléchirons à la suite de notre plan. La plaine de Yansha est le centre névralgique des troubles de la région. Nous sommes arrivés à temps pour sauver ce village. Mais la plupart des hameaux là-bas ont déjà été mis à sac par Yutsuyu et ses hommes. Le venin de cette vipère est capable de pervertir les esprits comme nul autre. Prenez garde à vos ennemis, mais aussi à ceux qui prétendront être vos amis. Bon, c'est pas tout ça, mais on ferait mieux de retourner au quartier général. Ce Roban m'a dit qu'il avait une affaire juteuse à nous proposer. Soyez forts, on compte sur vous!